Une histoire. Bien. Je vais vous raconter la plus incroyable des histoires. Mon histoire. La légende du célèbre chat Bouté. Comme toutes les grandes histoires, elle parle d'un humble gâteau. J'entrais dans l'établissement afin d'obtenir des informations. Mais les clients ne me prirent pas au sérieux. Alors, je leur rappelais ma réputation. Les hommes crachèrent les morceaux. Les bandits Jack et Jill avaient mis la main sur les haricots magiques. Ces haricots magiques que j'avais cherchés presque toute ma vie me mèneraient au château d'un géant et à une oie aux d'or. J'allais enfin pouvoir payer ma dette aux habitants de ma ville natale, San Ricardo. Je devais trouver où se cachaient ces Jack et Jill. L'un des bandits semblait savoir quelque chose, mais il me faut sa compagnie. C'était flagrant. Il avait quelque chose à cacher. Si je voulais ces haricots, je devais les rattraper. Mais les autres bandidos étaient bien décidés à m'en empêcher. Battez-vous, si vous l'osez. Je resterai bien joué avec vous, mais il faut que je file. Mon flair était infaillible. Viens me chercher, gâteau. Chère señorita, que faites-vous en un lieu si peu recommandable? Ah. Essaie de m'attraper! J'avais retrouvé le bandit. Hélas, il y eut un... El gato! Un imprévu. Regarde! Le chat peut-être! Attrapez-le! Le chat! Attrapez-le! Les acolytes du bandit filèrent. J'allais enfin apprendre ce qui m'intéressait. Alors, amigo, tu crois pas que tu aurais pu nous épargner toute cette course à pied? Jack et Jill s'étaient installés à l'hôtel. Avec leur possession, les haricots magiques, la fiesta battait son plein. Mais j'avais du travail. Je n'étais pas là pour m'amuser. Ou alors juste un petit peu. C'était l'hôtel le plus classe de la ville. Rien ne pouvait m'arrêter. Grâce à ces haricots, j'allais pouvoir payer ma tête aux habitants de San Ricardo. Le registre allait me permettre de retrouver Jack et Jill. Il suffisait de m'en emparer. Mais je ne devais pas me faire repérer. Ma tête était mise à prix. Chambre 7. Avant de monter, j'allais devoir éliminer d'autres obstacles. Mais comment? Hey! Vous avez rien vu? Comment ça? Oh, personne de suspect? Par ici, tout est suspect. Je devais me faire tout petit. Si Jack et Jill me trouvaient, je pouvais dire adieu à ces haricots. La chambre était proche. Mais avant, il fallait que je passe devant mon ami du port. C'était un très vieil hôtel. Et les parquets grinçaient. Qu'est-ce que c'est? J'étais fait. Mais heureusement, la fiesta del fuego fut une diversion idéale. Que bonita! J'étais devant la chambre de Jack et Jill. Avec juste un petit problème. Elle était fermée. Heureusement, rien qui ne pouvait s'arranger. Le plus dur serait de trouver les haricots. J'allais devoir déployer toute ma légendaire discrétion. Hey, c'est quoi? Qui est là?
un geste. Ces haricots sont à moi. Moi? Vous le feriez? Vous le feriez? Vous cherchez quelque chose? Non. Femme de chambre? Mon ami ne voulait rien me dire. Il fallait que je les fasse parler. Cherchait-il lui aussi les haricots magiques? Vous! Je veux mes haricots! Faites-moi au moins l'honneur de m'affronter en duel! Il va falloir faire mieux que ça! Regarde! Le chapeauté! Oh oh! Là! Attrapez-le! Finalement, pas aussi coriace qu'il le pensait. Non pas que j'avais des doutes. On se retrouvera. Vous ne me facilitez pas la tâche. Je savais que j'avais pris quelques kilos. Votre course s'arrête ici même. Et maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Ou presque rien. Attrapez-le! Juste un instant. Je vous tiens, ça n'est fini. Il faudrait avoir un grain pour... Oui, c'est bien ce que... Il n'y a de place que pour l'un de nous dans cette ville. Qui êtes-vous? J'admire votre talent, mais je ne peux pas tolérer ça. Là, je vous tiens. Vous pensez encore m'échapper? Au moins, les pires étaient forcément derrière moi. Ou peut-être pas. Le chat! Je le veux! Les chats, c'est pas mon truc. Tout le monde pense que vous êtes une poule mouillée. Je n'étais pas fier. Voyons voir. Il y avait une drôle d'ambiance. Comme si quelque chose était sur le point d'arriver. J'étais face à celui qui s'était mis en travers de ma route. Prêt à l'affronter. En danse!
Ouais! Trop cool, hein? J'avais gagné les duels de danse. Rien de surprenant, contrairement à ce qui allait suivre. Mon rival, une minette. Cela expliquait beaucoup. Elle s'appelait Kitty. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Humpty Alexander Dumpty. Il fut un temps mon ami le plus cher, presque un frère. Et en le voyant, tout m'est revenu en mémoire. Comme ça. Lorsque je suis arrivé au refuge pour les chats abandonnés, je n'étais qu'un petit chaton. Dès le début, Humpty avait pris ma défense. En retour, je me promis de toujours prendre la sienne. Humpty me racontait des légendes pleines d'inventions, complètement folles. Mais surtout, il me parla du château dans le ciel et des haricots qui l'y mèneraient. Humpty était le cerveau et j'étais le bras. Un chaton et un œuf à la recherche de haricots magiques. Tout ça tombait sous le sens. Un peu plus tard, nous nous sommes attirés des ennuis. Mais alors que je devenais un héros, Humpty avait mal tourné. Il me poussa à voler les habitants de San Ricardo, notre ville, en tâchant notre honneur à tous les deux. J'ai réussi à m'enfuir. Mon frère, lui, resta. Nous ne nous revîmes jamais. Jusqu'à ce jour, Humpty avait continué de chercher les haricots. Et il les avait trouvés. Ensemble, nous allions pouvoir payer notre dette à San Ricardo. Il savait exactement où il se trouvait. Mais Jack et Jill étaient rapides. Évidemment, Humpty avait pensé à... C'était pas prévu, ça! Vous commencez à m'agacer, vous! On a un plan et il faut s'y tenir. Cette fois, c'est moi qui y vais le premier. Je vous en prie. Merci. Vous étiez au courant? Bien sûr que non. Sérieusement, merci. Imagine que ça vous amuse. Soyez prudent. Petit cochon, sois sage, sans quoi je te balance par-dessus le pastingage. Où est Humpty? Je sais pas, il devait nous attendre. Hé, salut! Quoi? Après vous. Attends! Il faut vite partir, on reviendra! Jill, passe-moi mon pétard!
oublié un truc? Les haricots? J'étais un peu occupé. Les haricots! Ok, j'y retourne. Je vais risquer ma vie, mais j'y retourne. Bien. Réussi. Non, pas encore. Tu as un plan pour ça? Si on veut. Humpty savait où se rendre. C'était le moment qu'il attendait depuis des années. Il planta les haricots avec soin et attendit. Et attendit. Et tout d'un coup, un miracle se produisit. Il y avait des nuages, de la neige, du vent et une très belle lumière. Nous avons couru, escaladé, fait une pause. Escaladé. Ainsi, pour finir, nous arrivâmes au château. Notre trésor était là. Mais malgré notre grande force et notre détermination, notre fondeur refusait de bouger. Comme toujours, Humpty avait un plan B. On dirait qu'un nuage radioactif est passé par là. La voilà! Enfin, l'oie aux œufs d'or. Est-ce qu'on va l'attraper? C'est l'émotion. Laisse-moi du temps. Allez, vas-y sans moi. Je passe en premier. Ben voyons, on a fait tous ces schémas. Et maintenant qu'il y a un trésor, là, ça vous dérange pas. Poté? Elle est partie. Je vous laisse de l'avance. À la bonne heure. Attendez, pourquoi? Comme ça. Oh! Compris. Je suis presque. Hé, hey, Poté! Alors, tu as l'oie? Oh, bonjour, belle signorita. Quelle heureuse surprise. C'est bon, on l'aura. On l'aura. On l'aura pas. Encore un travail pour moi, Oh, non. Mais comment? Oh, peu importe. Regardez-moi cette fleur splendide. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais arrêtez de me suivre, bon sang. Vous suivre? L'oie est par là-bas. J'imagine que je vous retrouverai aussi là-bas. Peut-être bien. Vous êtes très lent aujourd'hui. Si vous êtes si rapide, vous n'avez qu'à y aller vous-même. Je ne voudrais pas rater ça. Pas question. Joli petit doigt. C'était quoi? Oh, et puis... Bah, je ne veux pas savoir. C'est quoi ce bruit? Excuse-moi. Cette histoire de grande terreur, c'est n'importe quoi! Enfin, allez, va simplement chercher l'oie. Ça ira! Et toi, t'y vas pas parce que... Parce que c'est moi qui suis le cerveau. Et vous? Je ne suis pas cinglé. Tu crois que j'ai pas encore compris?
Je m'approche et tu t'enfuis. Cette fois, tu ne m'auras pas, amigo. Maintenant, je vais attendre que toi, tu viennes à moi. Et c'est reparti! Soyez prudent! Moi? Il en faut plus qu'une misérable petite plante pour me faire peur. Je ferai attention. Tu es un adversaire digne de ce nom. Mais c'est moi qui gagne cette épreuve de force. Enfin, nous avions loi. Loi qui pondère des œufs. Nous quittâmes donc le château du géant comme nous y étions arrivés. Avec style. Voilà. C'est un coup à attraper, un coup de froid. Ah, pas bon. Ohé, les amis, y a quelqu'un? Hé, hey, merci. J'ai cru y passer. Tu pourras toujours compter sur moi, frérot. Les gars? Méthode Coué, Humpty. Si vous vous entendiez. Et vous, alors? Vous allez arrêter, vous deux? Nous arrivâmes sains et saufs au pied du haricot. Mais ce fut la courte durée. Kitty et moi étions impuissants face à tant de tactiques. Ils voulaient nous voler loin. Et ils furent contraints d'emporter un peu plus que prévu. Kitty et moi, nous devions le retrouver. Nous suivîmes sa trace jusqu'au campement des bandits. Un incident paraissait inéluctable. Ah oui, les voilà. Grâce à mes sens aiguisés, je suis capable de détecter les pièges, même les plus discrets. Sans me vanter, je suis le plus grand faufileur de toute l'histoire de la faufilade. Oups. C'est lui! Attrapez-le! Humpty, je suis venu te sauver! Aïe, tu aurais pu me prévenir. Ok, je crois que je vais y aller. À la revoyure. J'avais échappé à une mort certaine. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Je dois sortir d'ici avant de finir écrasé. Sauf si, évidemment, j'ai mieux à faire. Hey, Kitty! J'étais juste... J'ai cherché un petit, mais je vois que vous l'avez déjà trouvé. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, je vois. Ton ami du temps.
Je peux te laisser là si tu es si malin que ça. Ça ne résiste même pas à une pelote de laine. Je crois que je te préférais bourré de dynamite. Nous avions loi et nous étions sains et saufs. Nous avons fait la fête toute la nuit. Deux vieux amis et une nouvelle. On est dans la victoire. Mais au matin, Loi s'était volatilisée. Et mes amis avec elle. Je me retrouvais encore seul. J'ai décidé de retourner chez moi, à San Ricardo. Quelle surprise! Humpty y était déjà avec Loi. Et mon destin avait été scellé. Il avait tout prévu depuis le début et s'est révélé maître de la manipulation. Sa vengeance me visait non seulement moi, mais également tout San Ricardo. J'étais impuissant face à lui. Heureusement, il me restait encore un véritable ami. Je savais bien où trouver mon prétendu frère. J'espérais juste qu'il n'était pas trop tard. Allez, allez, tu n'es vraiment qu'un boulet. Non! Par là! Humpty Alexander Dumpty. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Trop tard, poté. La maman va arriver. Elle vient chercher son petit. À l'aide! Le chapoté a volé Loi! À l'aide! Reste ici. Loi cherchait son petit oiseau. Elle était prête à détruire tout San Ricardo pour le trouver. Je sentais qu'il n'allait pas me laisser Loi sans rien dire. Heureusement, me battre, c'est ma spécialité. Hé! J'ai quelque chose pour toi! Poté, je suis navré! Tiens, prends-la. La ville était sauvée, mais mon ami, mon frère, allait connaître un tout autre sort. Humpty Alexander Dumpty avait été l'œuvre d'or depuis le début. J'étais libre. J'avais payé ma dette aux habitants de San Ricardo. Et T.L. ne restait jamais très longtemps au même endroit. Les adieux, ça n'était pas son genre. J'espérais juste qu'un jour, nos chemins se recroiseraient à nouveau. Leur histoire s'arrête là. Mais pour moi, ce n'était que le premier chapitre de... La légende du chat poté. Une histoire? Bien. Je vais vous raconter la plus incroyable des histoires. Mon histoire. La légende du célèbre chat poté. Comme toutes les grandes histoires, elle parle d'un humble gâteau. J'entrais dans l'établissement afin d'obtenir des informations. Mais les clients ne me prirent pas au sérieux. Alors,
Je leur rappelais ma réputation. Les hommes crachèrent les morceaux. Les bandits Jack et Jill avaient mis la main sur les haricots magiques. Ces haricots magiques que j'avais cherchés presque toute ma vie me mèneraient au château d'un géant et à une oie aux œufs d'or. J'allais enfin pouvoir payer ma dette aux habitants de ma ville natale, San Ricardo. Je devais trouver où se cachaient ces Jack et Jill. L'un des bandits semblait savoir quelque chose, mais il me faut s'accompagner. C'était flagrant. Il avait quelque chose à cacher. Si je voulais ces haricots, je devais les rattraper. Mais les autres bandidos étaient bien décidés à m'empêcher. Battez-vous, si vous l'osez. Ah, jolie botte. Ne me cherche pas. On se réveille. C'est mon tour! Attention, j'arrive! J'arrive! Mais qu'est-ce que vous attendez, imbécile? Attaquez! C'est qui veut se battre? À nous deux! Quelqu'un d'autre? T'es prêt, poté? Je resterai bien joué avec vous. Mais il faut que je file. Mon flair était infaillible. Viens me chercher, gâteau. Vous devriez essayer de sauter à ce stade. Il ne voulait pas que je les suive. C'était un geste naïf de sa part. Personne n'arrête les chapeautés.
Oh, oh là. Je dois rattraper le... chère signorita, que faites-vous en un lieu si peu recommandable? Tout le plaisir est pour vous. Je suis plutôt doué. Une bonne chose de faite. C'est vrai, petit? Laissez-moi ça. Quelqu'un d'autre veut essayer? Tu veux jouer? Et tu vas voir. Une bonne chose de faite. Tu veux vraiment te battre? Je vais t'apprendre la vie. J'arrive! Tu vas voir le chat. Je ne dirai jamais ce que je sais. Promis, j'arrive. Oh, allez, juste une dernière. Prends ça. Loupé, essaye encore une fois. Va me faire tourner en barrique. Attention! Il faut s'entraîner. Essaie de m'attraper! Hélas, il y eut un... El gato. Un imprévu. Regarde! Le chapeau-tête! Attrapez-le! Le chat! Attrapez-le! Prêt? Ah!
personne. Viens me voir. Fais ta prière. Ok, ça suffit. Attention, j'arrive. Fais ta prière. Prêt à te battre? Je veux jouer. Quelqu'un d'autre veut essayer? Victoire! Les acolytes du bandit filèrent. J'allais enfin apprendre ce qui m'intéressait. Alors, amigo, tu crois pas que tu aurais pu nous épargner toute cette course à pied? Jack et Jill s'étaient installés à l'hôtel. Avec leur possession, les haricots magiques, la fiesta battait son plein. Mais j'avais du travail. Je n'étais pas là pour m'amuser. Ou alors juste un petit peu. C'était l'hôtel le plus classe de la ville. Rien ne pouvait m'arrêter. Grâce à ces haricots, j'allais pouvoir payer ma tête aux habitants de San Ricardo. Le registre allait me permettre de retrouver Jack et Jill. Il suffisait de m'en emparer. Mais je ne devais pas me faire repérer. Ma tête était mise à prix. Si je gardais le registre à côté de moi, je n'aurais pas à me retourner. Hein? Aucun de mes clients ne reçoit de message. Chambre 7. Avant de monter, j'allais devoir éliminer d'autres obstacles. Comment? Hey! Vous avez rien vu? Quoi?
Comment ça? Oh, personne de suspect? Par ici, tout est suspect. Je devais me faire tout petit. Si Jack et Jill me trouvaient, je pouvais dire adieu à ces haricots. Je rêve ou la statue a bougé? Je tiens à l'œil, le cactus. Faut que je dorme. J'hallucine. La chambre était proche. Mais avant, il fallait que je passe devant mon ami du port. C'était un très vieil hôtel. Et les parquets grinçaient. Qu'est-ce que c'est? J'étais fait. Mais heureusement, la fiesta del fuego fut une diversion idéale. Que bonita! J'étais devant la chambre de Jack et Jill, avec juste un petit problème. Elle était fermée. Heureusement, rien qui ne pouvait s'arranger. Le plus dur serait de trouver les haricots. J'allais devoir déployer toute ma légendaire discrétion. Jack, que se passe-t-il? Sois pas si nerveuse, poupée. Jack, que se passe-t-il? J'entends rien. Hey, c'est quoi? Qui est là? Vous, 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 plus un geste. Haricots sont à moi. Moi? Vous le feriez? Vous le feriez? Vous cherchez quelque chose? Non. Femme de chambre? Mon ami ne voulait rien me dire. Il fallait que je les fasse parler. Cherchait-il lui aussi les haricots magiques? Vous! Je veux mes haricots! Faites-moi au moins l'honneur de m'affronter en duel! Il va falloir faire mieux que ça! Regarde! Le chapeautet! Oh oh. Là! Attrapez-le! Prêt? Je m'en occupe! Tu vas voir le chat. Ok, ça suffit. Attention.
finalement, pas aussi coriace qu'il le pensait. Non pas que j'avais des doutes. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Il n'y a de place que pour l'un de nous dans cette ville. J'admire votre talent, mais je ne peux pas tolérer ça. Que gâche ce silence. On se retrouvera. Parole déchapotée. Vous ne me facilitez pas la tâche. Je savais que j'avais pris quelques kilos. Votre course s'arrête ici même. Et maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Ou presque rien. Attrapez-le! Juste un instant. Quel jeu très beau. Je me rendrai. Nous avons tous progressé. C'est qui veut se battre? Je m'en occupe. On ne met pas poté dans un coin. Ok, ça suffit. Je vous tiens, ça n'est fini. Il faudrait avoir un grain pour... Oui, c'est bien ce que je disais. Il n'y a de place que pour l'un de nous dans cette ville. Oh, oh là. Qui êtes-vous? J'admire votre talent, mais je ne peux pas tolérer ça.
chalands profitaient de la fiesta del fuego. Ils signoraient que dans leur dos, moi aussi je me donnais un spectacle. Il faudrait être fou pour traverser le port. Ou être un fou qui en souhaite un autre. On se retrouvera. Parole de chanté. Voilà. Là, je vous tiens. Vous pensez encore m'échapper? Au moins, le pire était forcément derrière moi. Ou peut-être pas. Le chat! Je le veux! Prêt? Je vais t'apprendre la vie. J'arrive! Les chats, c'est pas mon truc. Un ou deux gâteaux. Je vais t'apprendre à dire. Quelqu'un d'autre? Tout le monde pense que vous êtes une poule mouillée. Je n'étais pas fier. J'admire votre talent, mais je ne peux pas tolérer ça. Voyons voir. Il y avait une drôle d'ambiance. Comme si quelque chose était sur le point d'arriver. J'étais face à celui qui s'était mis en travers de ma route, prêt à l'affronter. En danse!
Ouais! Trop cool, hein? J'avais gagné les duels de danse. Rien de surprenant, contrairement à ce qui allait suivre. Mon rival, une minette. Cela expliquait beaucoup. Elle s'appelait Kitty. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Humpty Alexander Dumpty. Il fut un temps mon ami le plus cher. Presque un frère. Et en le voyant, tout m'est revenu en mémoire. Comme ça. Lorsque je suis arrivé au refuge pour les chats abandonnés, je n'étais qu'un petit chaton. Dès le début, Humpty avait pris ma défense. En retour, je me promis de toujours prendre la sienne. Humpty me racontait des légendes pleines d'inventions, complètement folles. Mais surtout, il me parla du château dans le ciel et des haricots qui l'y mèneraient. Humpty était le cerveau et j'étais le bras. Un chaton et un œuf à la recherche de haricots magiques. Tout ça tombait sous le sens. Un peu plus tard, nous nous sommes attirés des ennuis. Mais alors que je devenais un héros, Humpty avait mal tourné. Il me poussa à voler les habitants de San Ricardo, notre ville, en tâchant notre honneur à tous les deux. J'ai réussi à m'enfuir. Mon frère, lui, resta. Nous ne nous revîmes jamais. Jusqu'à ce jour, Humpty avait continué de chercher les haricots. Et il les avait trouvés. Ensemble, nous allions pouvoir payer notre dette à San Ricardo. Il savait exactement où il se trouvait. Mais Jack et Jill étaient rapides. Évidemment, Humpty avait pensé à... C'était pas prévu, ça! Vous commencez à m'agacer, vous! J'avais loupé la diligence. Je devais la rattraper pour les haricots et pour l'honneur. Une fois de plus, j'éprouvais ma grande adresse. Cela n'allait pas me faciliter la tâche.
Mais je me suis surpris à penser que ça pourrait marcher. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous inquiétez pas, j'arrive! Ça en prend du temps! On a un plan et il faut s'y tenir. Cette fois, c'est moi qui vais le premier. Je vous en prie. Merci. Vous étiez au courant? Bien sûr que non. Sérieusement, merci. J'imagine que ça vous amuse. Soyez prudent. Petit cochon, sois sage, sans quoi je te balance par-dessus le pastingage. Oh, vous êtes né pour être mère. Dodo, cochon dormira bientôt. Papa est en haut qui fait du jambonneau. Va nous attirer des ennuis. Vous cachez bien votre jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein, Jill? J'aime bien t'entendre parler. On est des aventuriers, pas vrai? Je sais pas, il devait nous attendre. Après vous. Non, après vous. Attends! Il faut vite partir, on reviendra. Jill, passe-moi mon pétard. Je m'éclate. D'abord mes haricots et ensuite mes bagages. Faut pas l'embêter, mon Jack. Je suis content de pas être à ta place. Il est super beau, hein? J'ai du miam miam pour toi, Minet. Allez, mon Jack. Tout mon temps, Minet. Lasse-moi. Le joueur est bien, mais... Quelle classe. Il y a sûrement plus simple pour voyager. Commencez à sentir mauvais. Vas-y, mon Jack! Oh. Accrochez-vous! Je dois trouver ces haricots et rester en vie! Je ne pensais pas faire ça aujourd'hui! La surpoté. Oh, costaud, Paris. Un truc? Les haricots? J'étais un peu occupé.
Les haricots. Ok, j'y retourne. Je vais risquer ma vie, mais j'y retourne. Bien. Vous êtes sûr que ça va? Ne t'inquiète pas. Après tout, j'ai fait ça tous les jours. Quel corps pulence. Et si tout m'aidait pour une fois? Suffit d'attraper les haricots, qui disait. Vous voulez que je vous aide? Je l'ai! Je t'aiderai bien, mais il faut que quelqu'un conduise. Maintenant, je me souviens pourquoi il ne t'écoute jamais. Comment ça se passe en bas? Ne crains rien. Je me suis préparé toute ma vie pour ça. Juste besoin d'un peu de place. J'ai le dernier. On y va. Réussi. Non, pas encore. On a un plan pour ça? Si on veut. Humpty savait où se rendre. C'était le moment qu'il attendait depuis des années. Il planta les haricots avec soin et attendit. Et attendit. Et tout d'un coup, un miracle se produisit. Il y avait des nuages, de la neige, du vent et une très belle lumière. Nous avons couru, escaladé, fait une pause. Escaladé. Ainsi, pour finir, nous arrivâmes au château. Notre trésor était là. Mais malgré notre grande force et notre détermination, notre œuf en or refusait de bouger. Comme toujours, Humpty avait un plan B. On dirait qu'un nuage radioactif est passé par là. La voilà! Enfin, l'oie aux œufs d'or. Est-ce qu'on va l'attraper? C'est l'émotion. Laisse-moi du temps. Allez, vas-y sans moi. Je passe en premier. Ben voyons, on a fait tous ces schémas. Et maintenant qu'il y a un trésor, là, ça vous dérange pas. Potée, elle est partie. On est bien peu de choses. Je vous laisse de l'avance. À la bonne heure. Attendez, pourquoi? Comme ça. Oh! Compris.
Tu as surpoté. Tu m'aides pas beaucoup, là. J'y suis presque. Hé, hey, poté! Alors, tu as loin? Oh, bonjour, belle señorita. Quelle heureuse surprise. Non, ma belle, vous ne rêvez pas. C'est bon, on l'aura. On l'aura. On l'aura pas. Encore un travail pour moi, hein? Ça doit sentir les fauves là-dedans. Non. Quel drôle d'endroit. Les doigts de l'aider. Oh non. Peu importe. Regardez-moi cette fleur splendide. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai ma mousse comme un petit fou. Mais arrêtez de me suivre, bon sang. Vous suivre? Loi est par là-bas. J'imagine que je vous retrouverai aussi là-bas. Peut-être bien. Vous êtes très lent aujourd'hui. Si
Si vous êtes si rapide, vous n'avez qu'à y aller vous-même. Je ne voudrais pas rater ça. Pas question. Joli petit doigt. C'était quoi? Oh, et puis... Bah, je veux pas savoir. Je me sens tout petit, tout d'un coup. C'est quoi ce bruit? Excuse-moi. Cette histoire de grande terreur, c'est n'importe quoi. Enfin, allez, va simplement chercher Loi. Ça ira. Et toi, t'y vas pas parce que... Parce que c'est moi qui suis le cerveau. Et vous? Je ne suis pas cinglée. Tu crois que j'ai pas encore compris? Je m'approche et tu t'enfuis. Cette fois, tu ne m'auras pas, amigo. Maintenant, je vais attendre que toi, tu viennes à moi. Et c'est reparti! Soyez prudent. Moi? Il en faut plus qu'une misérable petite plante pour me faire peur. Je ferai attention. Marchons sur des œufs.
Tu es un adversaire digne de ce nom. Mais c'est moi qui gagne cette épreuve de force. Enfin, nous avions loi. Loi qui pondère des œufs. Nous quittâmes donc le château du géant comme nous y étions arrivés. Avec style. Oh, oh là! Trop cool! C'était moi une. La casse, non? Quel rouleur de mécanique! Regardez ça! Hé! Hey, regardez! C'est l'éclate! Tu y arrives? Vous êtes toujours comme ça? Regardez ça! Hé! Hey, regardez! C'est un coup à attraper, un coup de froid. Ah, pas bon. Oui, les amis, y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider? Oh, oh là. Je vais prendre mon mal en patience. Toujours coincé. Mais comment t'as fait ton compte? Merci. J'ai cru y passer. Tu pourras toujours compter sur moi, Féro. Accrochez-vous et laissez-vous descendre. Vous croyez? Oui, je crois. Wouhou! C'est l'éclate!
Roule, ma poule! La routine, quoi. Attention, j'arrive. Wouhou! Et rien de tel qu'une petite glissade pour pimenter la vie. Hé, attention! Je commence à être habitué. Et hop, sans les mains. Hé, regardez. Les gars? Méthode Coué, Humpty! Si vous vous entendiez! Et vous, alors? Vous allez arrêter, vous deux? Nous arrivâmes sains et saufs au pied du haricot. Mais ce fut la courte durée. Kitty et moi étions impuissants face à tant de tactiques. Ils voulaient nous voler loin et ils furent contraints d'emporter un peu plus que prévu. Kitty et moi, nous devions le retrouver. Nous suivîmes sa trace jusqu'au campement des bandits. Un incident paraissait inéluctable. Ah oui, les voilà. T'es encore plus petit en vrai! Apparemment, je suis plutôt doué. Tu vas voir! Ok, ça suffit! Trop facile. Trop facile. Attends. Tu vas voir le chat. Prêt? Ouais.
ensemble, gâteau. Nous avons tous progressé. Attention! Victoire! Je t'aurai. Humble gâteau! Fais ta prière, sac à puce. Nous avons tous progressé. Il faut tout faire soi-même. Grâce à mes sens aiguisés, je suis capable de détecter les pièges, même les plus discrets. Je devais entrer et sauver Humpty. Si j'arrivais à me faufiler, je pourrais prendre la clé. J'allais encore devoir faire usage de l'art obscur du mime. Il se trame quelque chose. Faut que je dorme. J'hallucine. Je suis le plus grand faufileur de toute l'histoire de la faufilade. Oups. C'est lui! Attrapez-le! C'est qui veut se battre? Je m'en occupe. Ok, ça suffit. Yeah.
Jolie botte. Tremble, Gaton. Et si on se reposait? Ah ah! T'es prêt, petit? Allez! Laissez-moi faire! Je suis venu te sauver! Aïe, tu aurais pu me prévenir! Ok, je crois que je vais y aller. À la revoyure! J'avais échappé à une mort certaine. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines. Avant de finir écrasé. Sauf si, évidemment, j'ai mieux à faire. Mon nom est le chat. Le chat Poté. Hé, hey, Kitty, j'étais juste... J'ai cherché un petit, mais je vois que vous l'avez déjà trouvé. Qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, je vois. Je serais toi, je me rendrais. Tu vas voir. Ça sent le chat. Ah, à moi. Crawl, j'arrive. Allez. Ah.
Prends ça. À peine transpiré. Attention! Oh, trop facile. À nous deux. Ça sent le chat. Je m'en occupe. J'arrive. Fais ta prière. Victoire. C'est qui veut se battre? Tu vas voir. J'arrive. Fais ta prière. On ne met pas à côté de ce coin. Tu veux jouer? Et tu vas voir. À nous deux. Il y en a pour tout le monde. Victoire. Ton ami du temps. Je peux te laisser là si tu es si malin que ça. Ça ne résiste même pas à une pelote de laine. Je crois que je te préférais bourré de dynamite. Nous avions loi et nous étions sains et saufs. Nous avons fait la fête toute la nuit. Deux vieux amis et une nouvelle. On est dans la victoire. Mais au matin, loi s'était volatilisée. Et mes amis avec elle. Je me retrouvais encore seul. J'ai décidé de retourner chez moi à San Ricardo. Quelle surprise! Humpty y était déjà avec moi. Et mon destin avait été scellé. Il avait tout prévu depuis le début et s'est révélé maître de la manipulation. Sa vengeance me visait non seulement moi, mais également tout son regard. J'étais impuissant face à lui. Heureusement, il me restait encore un véritable ami. Je savais bien où trouver mon prétendu frère. J'espérais juste qu'il n'était pas trop tard. Allez, allez, tu n'es vraiment que boulet. Non! Par là! Humpty Alexander Dumpty. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Trop tard, poté. La maman va arriver. Elle vient chercher son petit. À l'aide! Le chapoté a volé loi! À l'aide! Reste ici. Thank you.
mon ennemi des moins. Quelqu'un d'autre? Fais ta prière! D'autres volontaires? Tu veux te battre, Minet? C'est mon tour! Tous progresser. Loi cherchait son petit oiseau. Elle était prête à détruire tout San Ricardo pour le trouver. J'avais une fois de plus perdu Loi, mais c'était le moindre de mes problèmes. Pour San Ricardo, je devais rester discret. Avait des yeux de lynx. Je devais une fois de plus faire usage de mon talent naturel pour la rapidité et la discrétion. C'était juste. Échappée belle. Pas mal, hein? Je sentais qu'il n'allait pas me laisser Loi sans rien dire. Heureusement, me battre, c'est ma spécialité. Les voir des bottes. Laissez-moi faire. Faites la prière. J'arrive. Ça ne m'arrive jamais. Bizarre. Aha! J'arrive!
le gâteau. Tu vas voir. Lâche-moi! Trop facile. Chose pour toi! Poté, je suis navré! Tiens, prends-la. La ville est sauvée, mais mon ami, mon frère, allez connaître un tout autre sort. Humpty, Alexander Dumpty, avait été l'œuvre d'or depuis le début. J'étais libre. J'avais payé ma dette aux habitants de San Ricardo. Et T.L. ne restait jamais très longtemps au même endroit. Les adieux, ça n'était pas son genre. J'espérais juste qu'un jour, nos chemins se recroiseraient à nouveau. Leur histoire s'arrête là. Mais pour moi, ce n'était que le premier chapitre de... la légende. Du chat poté.